Alors je rappelle que cette année, il y aura trois prix pour ce concours national des fromagers. Bien entendu, le trophée en lui-même, mais il y aura également le candidat qui aura la meilleure note au QCM, puisqu'ils ont eu une épreuve de QCM avant l'épreuve du plateau. Le candidat donc, qui aura la meilleure note du QCM se verra décerner le trophée Philippe Olivier pour sa culture fromagère en cas d'ex-aequo. Un tirage au sort, évidemment, sera effectué. Et il y a également parmi les candidats de moins de 26 ans, les candidats qui obtiendront les trois meilleures notes seront nominés lauréats au concours Rabelais des jeunes talents 2017, organisé par la CGAD en partenariat avec la Fédération des fromagers de France. Et je voudrais qu'on salue encore une fois Philippe Olivier qui est avec nous. Vous pouvez l'applaudir. Bernard Mure-Raveau le disait, si la profession en est là, c'est un peu grâce à Philippe Olivier. Je voudrais qu'on l'applaudisse très fort, Philippe Olivier. Alors, on va préparer en fait les outils de pesée pour vous présenter les 16 plateaux. Benoît. Alors, on approche de la fameuse épreuve mystère et l'épreuve de dextérité. En fait, ces balances vont servir pour cette épreuve de dextérité. On va attendre vraiment le dernier moment parce que voilà, les candidats sont en train de préparer. On est en train de vous présenter les plateaux en face de vous. On va faire revenir les 8 autres candidats qui sont passés en première session. Vous allez avoir les 16 candidats en face de vous. Vous allez... donc il va falloir faire du bruit. Il va falloir... les encourager et je laisserai Bernard vous expliquer tout de A à Z. Alors, on va vous déplacer les box de présentation provisoirement, simplement pour que vous puissiez suivre l'épreuve de dextérité. Nous allons aller chercher les 8 autres candidats, s'il vous plaît. Allez-y, et toujours sous un tonnerre d'applaudissements. On applaudit les 8 premiers candidats qui se sont affrontés dans la première session à 9h. Donc pour cette épreuve, vous allez être à 2 par box, je pense que vous l'avez compris. Votre place sera délimitée par effectivement la moitié. Je vais vous demander de ne pas dépasser et de ne pas de rien mettre là non plus parce que quelque part, vous en avez et eux n'en ont pas. Donc le plan de travail sera là et seulement là. Je vais demander de déplacer les desserts, là, les mettre au milieu, ou alors les mettre là-bas au fond, de façon à ce que tout le public voie les gens travailler. Nous allons avancer. Les box, les candidats qui viennent d'arriver, préparez vos couteaux.
Seulement. Alors, il y a beaucoup de monde sur cet espace cuisine en scène. Il reste encore un tout petit peu de place dans les gradins, si vous voulez vous installer. Il reste encore à peu près 45 ouais. minutes d'épreuve avant le résultat final. Simplement, dans quelques instants, la dernière épreuve mystère, l'épreuve surprise pour les candidats. Et juste après, ce sera la pesée des plateaux. Ouais, mais là, je vais demander s'il vous plaît au CQP, je suis désolé. Tiens, Enzo, attrapez. Alors je précise juste aux candidats qu'ils n'aient pas de sueur froide. On est en train de déplacer des plateaux, donc de temps en temps on les bouge un peu. Évidemment, les plateaux sont déjà jugés. Donc pas d'inquiétude. La seule chose qui n'est pas encore jugée, c'est la pesée. Mais enfin, ceci dit, ça ne va pas changer grand-chose par rapport à la présentation. Comment ça va? On va avancer les plateaux de façon à ce que le public voie tous les candidats travailler. Et ça, ça va être très important. Donc, les gens qui seront sur les rangs devant, eh bien, vous serez debout de toute manière à taper dans les mains. Donc, c'est pas très important. Alors, je suis dans le box numéro 7. Je me balade un petit peu partout. Ça va, mesdemoiselles? Ouais, tiens, elles osent plus rien dire là. Ouais? Impeccable. Elles sont pas tendues du tout, hein. Messieurs, vous êtes prêts? Presque. Bon. Le public peut commencer à se régaler par les yeux, simplement, sur la beauté des plateaux, la dextérité des coupes, l'innovation des coupes. Les outils qui ont été amenés pour découper tous ces fromages. Bernard, c'est impressionnant hein, quand on est dans les box. Hein. Oui, ça calme. Hein. Ah ouais. Ouais, ça calme. Vous inquiétez pas, il vous reste encore 7 minutes à souffrir. 7 minutes. Voilà. L'épreuve va durer 7 minutes. Monsieur Turet, s'il vous plaît. Voilà, dernière épreuve mise au point lors d'un voyage à New York, on peut le dire. On a vu une épreuve. Il y a aussi des fromagers en Amérique, il y a des fromagers. On a vécu à un moment donné une épreuve
Une épreuve assez originale, assez sympathique. Et on a vu que vraiment le public était enchanté de cette épreuve. Et c'est un truc de fou. Et voilà, c'est un clin d'œil à nos amis fromagers américains. Bien que la France reste le pays du fromage. Alors, je vais profiter, je sais qu'il aime pas ça, mais je pense qu'on l'a tous connu. Il y a Didier Chifflet qui vient d'arriver sur l'espace. Et j'aimerais qu'on l'applaudisse. Si, j'en profite. Et j'aimerais te remercier publiquement de m'avoir donné ta place. Parce que j'ai autant de pression. Nous sentons les candidats. Quelle sauce allons-nous être mangés? Qu'est-ce que tu crois qu'ils vont nous demander? Et de plus en plus de monde envahit. Donc sur cet espace cuisine en scène, concours national des fromagers jusqu'à midi. Ce sera cet après-midi le concours de l'écaille d'or et de l'empereur à partir de 14h jusqu'à 17h. Demain lundi, festival de la créativité gastronomique et trophée européen de la boucherie artisanale. Mardi, ce sera un nouveau concours que je vous présenterai le matin, la sélection régionale des meilleurs apprentis de France charcutier traiteur. Le Gargantua aura lieu mardi après-midi et puis mercredi matin, nouveauté également sur Cuisine en scène, ce sera le Global Young Chef Challenge. Je demande à tout le public de se retourner, ça commence à bouger. On a décidé un peu de mettre un peu d'ambiance au concours national des fromagers et je pense qu'on va commencer à... Je vais aller voir le technicien parce qu'il est concentré dans ses textos. Alors on va vous faire une petite surprise, on va faire une petite entracte parce que ce soir en fait, faut savoir, ben voilà, je suis président des fromagers Auvergne-Rhône-Alpes, mais je suis aussi vice-président de l'association des métiers de bouche du Rhône, donc les créateurs du Syrah. Et ce soir on a la nuit des métiers de bouche et voilà, donc on a une petite surprise pour vous, une petite entracte un peu pour mettre un peu sous pression les candidats. Et comme je crois que je vais demander au collectif fromaginaire parce que je la connais pas par cœur encore. Ou Manugo, il est où Manugo pour lancer le show? Il est où Manugo?
Et non, ce n'est pas des fromagers qui apparaissent, ce n'est pas des fromagers. Bonjour Manu. Bonjour. Bonjour, mes amis m'ont fait une farce, c'est-à-dire qu'ils ne m'ont pas prévenu qu'il fallait que je vienne devant vous. Mais ce n'est pas grave de ce moment qu'on vient de passer ensemble. D'abord, un grand bravo à tous ceux qui ont travaillé aujourd'hui, c'est formidable. Je voulais juste vous dire un truc, le collectif fromaginaire, c'est de la fromagination, c'est faire marcher sa créativité et avec l'aide du fromage. Donc voilà, bravo à tous et n'oubliez jamais, le fromage n'est pas mort, il sent juste un peu plus fort. Et je vous laisse regarder le Black Bad Jack. Charming, very charming, well reckoned by the fool. No one say that he's and put their deepest Swiss bank trust in you. No one saw it coming.
asked you to keep me quiet. J'aimerais remercier le club Bajac. Club Bajac, un club cabaret qui se situe à Confluence. Donc si vous voulez venir voir la suite du spectacle, ce soir on vous invite pour l'after de la nuit des métiers de bouche à partir de 22h30. Si vous avez besoin de bracelets pour l'entrée ou mettre sur la mailing list, soit vous m'attrapez ou vous attraperez Catherine pour le listing. Et on vous invite ce soir à l'after de la nuit des métiers de bouche. Merci beaucoup. Voilà le petit intermède pour décontracter nos candidats qui se demandent vraiment ce qui va se passer. On a mis des gants, ça va chauffer. Voilà, donc la dernière épreuve, ça va être, vous allez voir des box qui vont arriver devant vous, qui vont s'acheminer, 16 box. Alexandre, on est prêt. Et voilà. Voici les box qui arrivent. Voilà, le combat va commencer. Tous les candidats vont avoir 7 minutes. Allez le public, allez le public, c'est pour eux, c'est pour eux. Le morceau fait 5 kilos. Le morceau fait 5 kilos. Vous avez 7 minutes. Allez, plus fort. Alors attendez, on n'a pas donné le top départ encore. Non, il n'y a pas attendez, de top départ pour l'instant. Attendez, le attendez. Le morceau fait 5 kilos. Vous avez 7 minutes pour faire de 5 kilos 20 portions de 250 grammes. 20 portions de 250 grammes. Si quelqu'un ne comprend pas, il me demande. Ok. Si toutes les portions sont découpées, Catherine vous expliquera après comment ça va être noté. À la fin, on va vous demander 5 morceaux, les mieux pliés, et avec le poids à 250. Voilà. Vous allez couper les 20 morceaux, et le poids, on va vous réclamer 5 morceaux. Et si jamais plusieurs candidats sont ex aequo, on fera la mort subite, on continuera à peser. Pour les points, Catherine va vous expliquer comment ça se passe. Alors, le premier candidat qui aura tout coupé ses morceaux, le premier candidat qui aura tout coupé, qui lève les mains pour dire stop avant les 7 minutes, aura 2,5 points. À partir du deuxième, si vous avez coupé tous les morceaux, vous aurez 2 points. Ensuite, le pliage pour les 5 morceaux corrects. 0,5 points par morceau plié correctement. Pour les poids, les morceaux de 250 grammes, vous aurez 2 points. Donc 5 morceaux de 250 grammes, 2 points par morceau. Pour un poids de plus ou moins 10 grammes, vous aurez 1 point. Pour les poids de plus ou moins 30 grammes, vous aurez 0,5 points. Est-ce que tout le monde a compris ? Est-ce que tout le monde a bien tout compris ? Parce qu'au début, on va tout le refaire parce qu'on candidat a eu un peu numéro de mal à... 1, est-ce que vous avez compris ? Pardon ? Il faut couper les 20 morceaux. Si tu finis la première que tu as coupé les 20 morceaux, tu prends 2,5 points. Si tu coupes les 20 morceaux, tu prends 2 points. Tu me fais tous les morceaux à 250 grammes. Après, tu les emballes comme il faut, sachant... Ceux que tu peux, 5 c'est bien, mais des fois si jamais tu vas plus loin, il faudra peut-être un sixième ou septième morceau si vous êtes ex-aequo. Donc bien plier les 250 grammes, tous les morceaux doivent être découpés. Tout est découpé, 20 morceaux de 250 grammes. Quand on te dira, tu nous donneras les 5 morceaux qui font 250, que tu penses qui font 250 et qui sont le mieux pliés possible. Et après le jury fait son travail. On est d'accord ? On est d'accord ? On est d'accord ? C'est bon ? Des Alors... questions ?
Des questions, c'est bon ? Il faut absolument que jeune vous... homme, c'est bon ? Il faut absolument que vous leviez les mains de manière très nette, parce que c'est la seule manière qu'on a de vous repérer si vous avez fini. Donc très très important les candidats, s'il vous plaît, levez nettement les bras, hein, sinon on ne vous verra pas. Tu fais les 20 morceaux, ok, tu coupes, après tu m'emballes 5, 6, 7 morceaux le mieux possible. Le mieux possible, si t'emballes les 20, c'est très bien, mais est-ce que t'auras le temps? Est-ce qu'on aura le temps ou pas? Après, c'est le plus important, c'est la pesée, bien emballée sur les 5 morceaux. S'il y a plusieurs candidats qui sont ex aequo, on continue 6 morceaux, 7 morceaux, 8 morceaux, et après, ça sera la mort subite. C'est bon? Tu me dis s'il y a un truc. Pardon? Non, tu lèves la main si tu... Oui, tu lèves la main, mais peut-être quelqu'un aura fini de couper avant toi. Mais tu lèves la main, on verra. Mais si t'es pas la première, tu prendras que 2 points. Des questions? Des questions? Des questions? On lève la main dès que tu as fini de couper. Le premier qui a fini de couper les 20 morceaux. Le premier qui a fini de couper, même s'ils sont pas emballés, lève la main. Les 20 morceaux de 250 grammes, ok? C'est clair? C'est clair? C'est clair? On touche à rien, jeune homme. C'est clair? Voilà, commencez effectivement à réfléchir sur le morceau. C'est très bien, réfléchir comment on va attaquer. On va remettre un peu de musique un peu fort. Et le public est là. Et président, s'il vous plaît. Allez, j'ai dit qu'on allait faire plus de bruit que le Bocuse d'Or. Allez, allez. Ah. Ouais, allez. On va laisser le public faire le décompte. Alors c'est vous public qui allez faire le décompte. C'est parti. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Allez pour 7 minutes. Allez. Allez, comme à la boutique, comme à la boutique. Allez, on encourage son candidat et sa candidate dans le public. Allez. Allez! Des centaines de personnes vous regardent! Allez! Allez! Il reste 6 minutes. Allez, une minute est passée. Calez-vous sur le temps. Calez-vous sur le temps. Une minute. Il reste 6 minutes. Allez. Allez. Candidat numéro 6, 2,5. Allez! Et on emballe maintenant. Et on emballe comme il faut. Il y a des notes sur le pliage. De grosses notes sur le pliage. Allez, on les encourage. Il reste 5 minutes. 5 minutes. Il reste 5 minutes pile et on a terminé dans le box numéro 8. Monsieur Bizot. Mobama. Mobama. Allez, on y va. Explique. C'est nos amis américains qui font le show
en imitant le cri des trois animaux du lait des fromages. Mou, ba, ma. Et il se lança dans des fêtes en disant Mou, ba, ma. Ça n'a rien de politique. Il reste 4 minutes. 4 minutes. Et en Amérique, le présentateur était habillé en vache. Ah, en vache, il était habillé. Et oh, les candidats avaient le droit de boire et fumer sur scène. Même des substances illicites. Allez! On est à la moitié du temps. Allez! 3 minutes 30. Allez, maintenant, on va s'appliquer pour plier. Combien de temps? C'est terminé dans le box 6 pour l'un des candidats. C'est bon, c'est bon. Pour l'un des candidats. 3, 18. Il reste 3, 18. La moitié du temps est passée. Il vous reste 3 minutes. Maintenant, appliquez-vous. Box 2 et box 5 également, nous avons des candidats qui ont terminé. Le box 8 est terminé avec vous, allez. Et on emballe maintenant. Allez, on s'applique. Allez, le public, un rythme, allez. Allez. Il reste 2:30. On a même des candidats qui dansent. On a même des candidats qui dansent. Allez. The X with OG at a Yankee game. Shit, I made the Yankee hat more famous than a Yankee. Allez, mon garçon. You should know I bleed blue, but I ain't a crypto. Je voudrais que vous fassiez un maximum de bruit pendant les deux dernières Allez. Minutes. Deux dernières minutes. Deux minutes. Deux minutes. Allez. Allez, c'est maintenant. Allez, c'est maintenant. On vous attend. Cuisine en scène. Plus fort. Obama. Allez. Plus que 1:30. On voit déjà les candidats qui sont prêts à la pesée. Allez. Encore des façons de découper pour chaque candidat. Des façons différentes au fil, au couteau. Je veux vraiment que vous fassiez un maximum, Allez. Maximum de bruit. Il reste 1 minute et 5 secondes. Lights is blinding. Il reste moins d'une minute. Allez. 45. Allez le public, c'est allez, terminé, on fait du bruit. Appliquez-vous. Allez, cloche, ouais. Allez. Plus que 30 secondes. Ce sont les 30 dernières secondes. Le public en folie pour ce concours national des fromagers. Il reste 20 secondes. 20 secondes. Et ils sont où les fromagers? Et ils sont où? Et ils sont où les fromagers? On fait des comptes ensemble. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est terminé. Les affaires sérieuses vont commencer. Nous allons commencer par le numéro 1, tant que j'ai faire. La pesée. Numéro 1, je vais vous demander 5 morceaux, s'il vous plaît. Donc deux jurys, un jury de pliage et un jury de pesée. Donc c'est Charles-Antoine le premier. Numéroter.
on va numéroter. Ouais, ou alors tiens, prends ton plateau, effectivement. Oh, tu changes pas de plateau. Ah oui, oui, il va aller. Mademoiselle, pareil, vous venez. Chacun vient avec son plateau. Comme ça, ça évite de numéroter, de se tromper. Charles-Antoine, candidat je numéro 1, les frères Marchand à Nancy. Voilà. On l'applaudit, s'il vous plaît. Je vais demander au jury de pliage de se mettre en place. Allez, musique. Mademoiselle. Catherine. Delphine. Bégon. Morceau Lyon. Numéro 1. 290 grammes, c'est très bien. Tiens, vire-le. Morceau numéro 2. 295 grammes. Ouais. C'est très régulier. C'est très très régulier, oui. 261. Ah. 261. Et 227. Le jury de pillage va passer derrière avec la feuille. Le candidat, le numéro du candidat, t'as marqué, c'est parfait, Delphine. Ok, on va amener derrière, comme ça le jury aura tous les gens en même temps, tous les papiers en pliage en simultané, comme tout ce qui a été noté là. Candidat numéro 2. Alors Charles-Antoine. Charles-Antoine, 265. Allez, allez, ils vont y aller ceux-là, ils vont y aller. 241. 209. 233. Et le numéro complémentaire, 228. Allez, attends, pars avec ta fiche. Pars avec ta feuille. Candidat numéro 3. Jean, je vous invite à venir. Ben, vous pouvez tous venir en même temps. Vous pouvez tous venir. Dans l'ordre. Ouais, alors c'est le box numéro 2 en fait. Avec. Oui, il y a les noms dessus. Voilà. Benoît, tu fais partir le jury de pillage. Comme ça, on perd pas de temps. Parce qu'il y a quand même 16 candidats, c'est un peu long. 253. 253 grammes, on se rapproche vraiment. Hein. 216. 263. Par contre, la difficulté en plus, c'est que. Donc c'est des gens. C'est des balances à 1 gramme. Donc c'est très très compliqué de faire 250. Dans tous les magasins, c'est toujours des balances à 5 grammes. Et là, pour corser un peu le truc, on a trouvé une balance à 1 gramme. Jean Rodriguez qui représentait Kroll. Viens là. Là, les trucs. Ludovic Galfion, allez, Paris. C'est parti. Vas-y, vas-y, vas-y. Allez. 243, oh c'est là très là. Bien. Ça approche. 249, oh là c'est là. Parfait. Joli. Allez, allez, on encourage. 275, ouais, ah il ouais. Le sentait. Il l'a senti, il ouais. Il l'a senti. Et... 182, ah, on met les deux, ça fait 300. Et 260. Merci encore. Allez, le prochain candidat, s'il vous plaît. Les box, les arrivez, deux candidats du box numéro 3. Arrivez deux par deux, comme ça, ça va un chouille plus vite. Voilà. Le box numéro 3. Et on commence par... Donc je crois que pour l'instant, le 249 a été le plus près. Charles-Henri. Allez. Charles-Henri Bellon, Aubagne. 200. 245. Parfait. 253. Oh là là, joli. Allez. 248. Oh là là. Il est là, il est là. 271. 191. Dernier morceau, un peu de faiblesse. Merci, jeune homme. Et Romain Guibert, Aix-les-Bains. 225. 218.
233. 231. 230. On va appeler les candidats du box numéro 4, s'il vous plaît. Et c'est Nicolas. Allez. 297. 267. On voit de très jolis pliages. 339, dommage. 280. 336. Nicolas Mourlot à Ebens. Merci. Et c'est là, vous voyez, la dextérité du pliage, du coupage, c'est vraiment... C'est des épreuves, il y a des très Adélie. Très beaux pliages. Ah, elle est là. Qui représente Annecy. Les Chippendale sont là. On les entend pas. 226. 201. 201. 257. Joli. 228. 248. Oui. Et nous appelons les deux Merci candidats du box numéro 5. S'il vous plaît. Les deux candidats du les box numéro 5, s'il vous plaît. Jonathan et Frédéric. Ah. Allez. Frédéric, il laisse l'honneur à Jonathan. Jonathan Loza, c'est Marseille. 230. 301. 228. 182. 289. Je vous laisse replier, replier une note de pliage. Après. C'est maintenant Frédéric Boubeau, Ville d'Avray. Et les candidats travaillent avec un papier en plus qui est dur à plier. C'est un papier qui est très épais et c'est un papier qui est compliqué à plier. 202. 202. 205. 238. Le photographe est prêt pour les 250, mais ça va arriver, ça va arriver. 232. 236. Merci. Le box numéro 6, s'il vous plaît. Allez, Nicolas. Et il est là, allez. Et Léo. Oui, il est là, il est là. 250 grammes pour Nicolas Gault qui représente Toulon. Et on va faire la photo. Mais ce n'est qu'une épreuve, ce n'est qu'une épreuve parmi tant d'autres. 249. Il est en place. Il a l'œil, hein. Oh. 237. Et le dernier semble léger. 209. Bravo, bravo, bravo. Bravo pour les 250. Tiens. Ah, compliqué après les 250. Et c'est toi. Léo. Allez, mon garçon. Huguenin, Nancy. Pareil. 234. 272. 227. 268, pardon. Il y a Bernard qui s'étouffe. Et 227. Merci, 227. Jeune homme. Box numéro 7, s'il vous plaît. Le box numéro 7. Et là, on voit vraiment différentes façons de plier. Différents maîtres d'apprentissage des façons de plier. Et le pliage, Dieu sait que c'est difficile. Box numéro 7 avec Sarah et Marie.
Marie dansait pendant l'épreuve. Deux secondes, bah ouais, c'est où j'étais là. C'est Marie qui va démarrer. Allez. Oulin. Il est là. Qui est représenté. 281, pardon. Excusez-moi. Je prie de m'excuser. 252. Joli, joli, joli. 246. Joli aussi. 263. 276, merci. Sarah. On va aller là-bas, on va donner le jury de pliage. Le très joli pliage. Pas grave. 229. 241. 237, 239, 241. Jolie Sarah à la case, ouais. Zéral qui représente le département 56 Pleucadec. Et on appelle le box numéro 8, s'il vous plaît. Je rappelle que c'est une épreuve très difficile. Très, très difficile là. Pesée et pliage. Hein. Personne ne peut faire le malin là. Sabrina et Lucas. Allez, mon garçon. Allez, on démarre par Lucas. Grenoble. 212. 219. 234. On y arrive. Oui, c'est vrai. On y arrive. Non. 199. Et 226. Merci, jeune homme. Et Sabrina. Les Charentes-Maritimes. 230. 159. 189. 185. Une candidate qui ne force pas la vente. 210. 210. Voilà. Tout le monde a pesé. Il y a maintenant le pliage qui va être noté. Voilà. On va se retrouver d'ici quelques minutes puisque vous allez pouvoir peut-être vous approcher un petit peu des plateaux pour découvrir. Je voudrais déjà que vous applaudissiez les 16 candidats, ouais. Et leurs 16, ouais, plateaux. Ouais. Vraiment, vraiment. Du grand professionnalisme. Un très joli concours. Vous les applaudissez plus fort que ça parce qu'ils sont arrivés très tôt ce matin. Ils se sont préparés en amont. Ça prend des jours à se préparer. Et on va se retrouver dans quelques minutes pour la proclamation des résultats. Avec plusieurs prix qui seront remis cette année. Un prix en plus, le prix Philippe Olivier. On vous laisse tranquillement prendre des photos des différents plateaux. On va organiser, si vous voulez bien, cette cérémonie de remise des prix. Et d'ici 5-10 minutes, on vous donnera également le résultat du quiz auquel vous avez participé. Et on vous offrira peut-être l'un des plateaux de fromage d'un des candidats. A tout de suite d'ici 5 minutes. Un dernier mot, monsieur le président. Je remercie tous les candidats de s'être investis. Et voilà, ils nous ont fait un beau travail. J'espère que l'épreuve surprise, maintenant qui ne sera plus surprise, mais l'épreuve de dextérité sous pression a plu à la majorité de la profession. J'espère aussi que vous qui avez suivi le concours, ça vous a plu, que voilà, on vous a montré que notre profession avance, qu'on évolue, qu'on tourne la page. Et n'hésitez pas à ouvrir la porte de nos boutiques. On est là pour vous conseiller et mettez-nous sous pression au quotidien, ça nous fait du bien. Benoît, on rappelle que cet après-midi, il y aura une dégustation sur le stand de la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est ça, tout à fait. Cet après-midi, à 15h, on est sur le stand de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui est dans le hall 2. Oui. Alors, dis-moi. Alors, je regarde juste si on est bien dans l'ordre au niveau des box, puisque tout à l'heure, on va remettre évidemment les prix. Donc, c'est simplement le box numéro 8, il a dû être mis, je pense... C'est tout bon. Alors, on va remercier encore une fois tous les partenaires que vous découvrez à l'écran.
demander à tous les jurys de venir me rejoindre là, s'il vous plaît. Tous ceux qui sont présents, Catherine aussi. S'il vous plaît, tous les jurys. Restez là, allez me chercher. Xavier, viens. Alors, je tenais aussi à remercier, au nom de toutes les personnes de l'Union des fromagers Auvergne-Rhône-Alpes, les hommes de l'ombre, ceux qui ont permis de mettre les caisses, hommes et femmes, oui, pardon, parce que mixité, les remercier parce que voilà, grâce à eux, ils étaient quand même une vingtaine de petites mains à œuvrer derrière. Et j'aimerais qu'on les valorise et si on pouvait les applaudir, parce que grâce à eux aussi, ça a permis de... Je ne sais pas où ils sont, mais voilà, j'aimerais remercier notamment l'équipe à Didier qui était présent. Il y a eu Alexandre aussi qui était là, plus les anciens s'occupaient l'année dernière. Je vais demander à tous les jurys de tourner le dos au public. Et d'applaudir tous les candidats. Merci à vous, parce que sans vous, il n'y a rien. Alors, sans vous, il n'y a rien. Bernard, je suis avec votre président. On va peut-être... c'est pas le mot de la fin, hein, parce qu'on a les résultats. Hein, donc, un petit mot quand même sur la hauteur de ce concours. Ça prend de plus en plus de hauteur à chaque édition du Syrah. Et ça, c'est un phénomène que l'on constate. Mais surtout, ce que l'on constate également, c'est le dynamisme de notre profession. La PEPS qui était dans les épreuves qui vous ont été présentées et qui montrent vraiment qu'on a un métier en plein mouvement. Et ça, c'est le plus important, me semble-t-il. Bruno Cabu, vice-président du Syrah, je vais le faire intervenir aussi. Bruno qui suit les choses de très très près, hein, sur tous les concours. Il est toujours en coulisses, il est toujours pas loin. Bruno, je voudrais simplement... C'est vrai que les fromagers font un concours chaque année exceptionnel sur le Syrah, qui chaque année prend de plus en plus de hauteur. Sur l'espace concours du Syrah. Je ne sais pas s'il prend de plus en plus de hauteur. En tout cas, il y a de plus en plus d'accros au fromage. Vous êtes dans les tribunes, elles sont complètes. Sur l'extérieur, tout le monde est debout, à travers les vitres, devant, derrière. Tout le monde regarde le monde du fromage aujourd'hui. Eh bien, c'est ça qui compte. Le fromage est mis en lumière. Le Syrah met en lumière le fromage. Donc le fromage, comme je disais tout à l'heure, a de l'avenir devant lui. Je vais vous demander de ne pas partir parce que le moment le plus important, on est en train de repasser les résultats. On est sur l'ordinateur, on regarde, il y a plein d'équipes qui travaillent et on m'a annoncé les résultats pour dans une demi-heure. Donc s'il vous plaît, restez avec nous, revenez dans une demi-heure. Alors, avant une demi-heure, on fera le résultat du concours au quiz que le public auquel le public a répondu. On va faire ça vers 12h15, si vous le voulez bien. Donc, dans 10 minutes à peine, ce sera les résultats du quiz. Un petit mot peut-être sur le Syrah en général. Encore une belle édition qui démarre très très bien. On n'a pas les chiffres encore tout à fait, mais ça démarre très bien. On n'a pas encore tout à fait les chiffres, mais vous savez, on est en augmentation en nombre de visiteurs. 200 000 visiteurs sur 5 jours, 150 millions d'euros de retombées économiques pour la ville, la région, pour tous nos établissements, des centaines de journalistes de tout l'ensemble du globe. Donc c'est ici l'antre de la gastronomie. Paul Bocuse disait nous avons le garde-manger de la France. Aujourd'hui, nous avons la vallée de la gastronomie mondiale. Autour de Lyon, de Rhône-Alpes, de l'Auvergne. Voilà tous les produits qui sont présents devant vous. Et nous avons la chance d'avoir l'excellence du savoir-faire qui était là pour le mettre en œuvre. Donc le Syrah, voilà, c'est ça, c'est la vitrine de l'excellence, du savoir-faire, des produits et la transmission des valeurs qui sont autour de ces savoir-faire et de ces produits. Toute une histoire, des hommes, des territoires. Voilà ce qu'est le Syrah.
avec ce matin le concours national des fromagers. Cet après-midi, un autre concours très important que je vous présenterai, c'est le concours de l'écaille d'or et de l'empereur. Là aussi, c'est un concours qui prend de plus en plus d'importance sur Cuisine en Seine. Le Festival de la créativité gastronomique, c'est demain un festival qui s'est installé aussi, qui a su s'installer sur le Syrah. Le trophée européen de la boucherie artisanale en même temps. On remettra les prix à 18h demain. Et puis, nouveauté sur Cuisine en Seine, ce sera mardi matin. Ce sont les charcutiers traiteurs qui, pour la première fois, auront leur concours ici sur Cuisine en Seine mardi. Le Gargantua, là aussi, qui a su s'installer sur la cuisine de collectivité le mardi après-midi. Et puis, mercredi matin, c'est nouveau encore, c'est le Global Young Chef Challenge. Donc, c'est l'avenir de la cuisine qui sera là, mercredi matin. Tout à fait. Donc, on est bien là pour... transmettre les valeurs, puisque pour la charcuterie, ça sera un concours régional des apprentis de l'Auvergne et de Rhône-Alpes. Donc, ce sont les jeunes qui sont mis en lumière, ces jeunes dont on a besoin pour avoir de bons salariés, pour reprendre nos entreprises. Et puis, la tendance avec les grandes tendances culinaires et ces jeunes générations qui doivent démontrer par leur créativité, par l'innovation et par l'utilisation de toute la richesse de nos produits, comment on avance dans nos métiers de bouche. Et il y a de l'avenir dans les métiers de bouche. Il y a de l'avenir, beaucoup. On recrute. N'hésitez pas, comme ça a été dit tout à l'heure, à pousser la porte de nos établissements, parce qu'on parle beaucoup des grandes entreprises, mais je crois qu'on revient aussi beaucoup à la proximité et que demain, même si beaucoup de choses se passent sur le réseau Internet, il y a aussi beaucoup de choses incontournables, le lien social qui se passe dans la proximité. On parle beaucoup des circuits courts sur le Syrah cette année. Les circuits courts, c'est quand même primordial. Et alors, en plus, ici, en Auvergne-Rhône-Alpes, on a tous sous la main. On est obligé de faire du circuit court ici, avec la diversité des produits. On est obligé, avec l'arrivée de la lentille, par exemple, du Puy, avec un président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui nous dit qu'il y a véritablement beaucoup de choses à faire avec la lentille du Puy. Mais la richesse de nos produits, elle ne se limite pas là. Il y a une variété exceptionnelle de fromages. Je rappelle qu'on est dans une région où il y a le plus d'AOP, d'IGP, d'appellations d'origine contrôlée. Donc véritablement, nous avons le garde-manger de la France. Faisons en sorte que dans la transformation de ces produits, on a une vraie plus-value qui se développe, une vraie valeur ajoutée et que le monde entier nous envie. 5 signes de qualité AOP, AOC, IGP, label rouge et j'oublie, agriculture biologique évidemment. 5 signes de qualité officiels qui sont vraiment très très importants et qu'il ne faut jamais oublier quand vous achetez quelque chose. Voilà, on se retrouve dans 10 minutes à peine, promis, pour le tirage au sort. Même pas 10 minutes, nous on reste. Nous on reste. Nous allons poser des questions au public. Et à chaque bonne réponse, un morceau de fromage. Ça vous intéresse? J'ai pas entendu, ça vous intéresse? Alors, je vais demander au jury de venir avec moi. Monsieur Cardinet, venez me trouver. Monsieur Ludovic Bizot. Tous ceux qui ont... Venez voir tous, s'il vous plaît. Chacun va poser une question au jury. Et si la réponse est bonne, il offre le morceau de fromage à la bonne réponse. Monsieur Ludovic Bizot. Quel âge a Bernard Muraveau, d'après vous? L'âge du camembert? Allez, 20 ans, qui dit mieux? Je garde le morceau. Il y a personne qui ose répondre. Il me dit des conneries en plus. Alors, première question, faites. 43. Vous êtes gentil, vous. Bon, allez. Toi, t'es morte. Toi, t'es virée. Sécurité, s'il vous plaît. Madame, là, dehors. Madame a dit 64. Non, on va parler de choses sérieuses. Le Roquefort est au lait de... Ah, le jury est là.
Est-ce que quelqu'un peut me citer le nom d'un fromage polonais? Oh là là. Polonaise, ah ben non. Alors... Je ne l'avais pas vu, je promets. Qu'est-ce que tu voulais? Le nom d'un fromage polonais. Alors, c'est un... Pardon? C'est un fromage fumé et ça s'appelle Rappelle-moi chérie. Ah, ça s'appelle Rappelle-moi chérie. Non, non. Voilà, l'obchèque. Voilà. Allez, ça c'était une question bizarre, mais qui a une question? Aurore. Ah bah, le camembert, on voulait de quoi? De quoi? Alors... Ah ben alors déjà ils sont pas d'accord hein. Quel est le poids moyen d'un comté? Ah oui, là c'est Madame nettement hein, la première. Hein. Quel est le nombre de mois minimum pour l'affinage d'un Beaufort? Allez, une question hyper facile. Vous êtes prêts? Ça va aller très vite. Quelle est la race de chef préconisée dans le cahier des charges de fabrication du Picodon? Ah, je croyais que ça allait aller vite. Ouais, là, allez là. Bravo. La Sanen. Merci, mademoiselle. La Sanen. Attention, le fromage fait-il grossir? Bien évidemment, non. Je suis d'accord, mais Attila, il a amené que la Sanen. Quel est le poids d'un petit pélardon des Cévennes? On n'entend rien là. Hein. Parlez pas tous ensemble. Environ 80 grammes. Alors, quelle est la différence entre du Roquefort et du Bleu d'Écosse? Deuxième question. Depuis quand existe le Cantal? Allez, à 200 ans près. Combien? Plus fort, on n'entend pas. Donc j'ai 1600, j'ai eu quoi? Du 1200? Ah, c'est bien plus vieux que ça. 1500? 2000 ans, oui. Bravo, juste là. Attention, une autre question. Comment est-ce qu'on appelle un jeu de mots fait avec des noms de fromage? Oui, j'ai entendu là, mais vous avez déjà gagné. Allez. Non, un jeu de mots fait avec des noms de fromage. Personne sait? Non? Ben, je me la garde. Ça s'appelle un camembert. Comment s'appelle un collectionneur d'étiquettes de fromage? Ouais, là-bas. Tiens. Un tyrosémiophile. Essaye. Joli. On voit que Lyon a gagné au rugby hier soir. Ils sont bons. Hein. Il n'y a rien qui tombe. Hein. Nous, à Grenoble, on est moins bons. Hein. Est-ce que le Roblechon est un AOC? 12 morceaux. Faut qu'elle regarde.
Combien d'AOP fromage? Combien? 45. Non. AOP fromage. Non, 159. 45. Eh non, il n'y a que les Français, les AOP c'est l'Europe. Ah. Eh oui. Vous avez tous gagné, c'est comme avec Jacques Martin de toute manière. On va voir où en sont les résultats, on va vous tenir encore un petit quart d'heure. Non, c'est pas encore terminé. Par contre, je peux vous dire qu'on a les résultats du quiz auquel vous avez participé. On va vous les donner dans 2 minutes. Simplement vous dire qu'il n'y a que 7 bulletins gagnants. Donc, on va tirer au sort parmi les 7 qui ont donné l'ensemble des réponses. On peut continuer un peu si vous voulez. Hein. Allez, combien de litres de lait pour faire une portion de fromage telle que celle-là? Environ. Et combien elle fait? Combien elle fait cette portion? 250 grammes. Alors combien de litres de lait? Là-bas au fond, là, 2 litres 5. 2 litres 5, bravo. Qui est-ce qui a dit 2 litres 5? Qui est-ce qui a dit 2 litres 5? Ça finit par en faire beaucoup. Hein. Ah ouais, mais bon, ça... Comment s'appelle la... Jean-Marc, tu te tais. T'as pas le droit de parler. Comment s'appelle la petite bande qu'il y a? Toi non plus, t'as pas le droit de parler. Allez, il est bon, lui. Je finis la question autour du Livaro. Voilà. Que signifie le terme fourme? Bravo, fromage du tac au tac. Combien il y a exactement, on va être précis, de types de Beaufort, de nomenclature de types de Beaufort autorisés? Lesquels? Donc, bravo. Donc bien 3, hiver, été et alpage. Une petite question métaphysique, tiens, une petite question un peu compliquée. Comment s'appelle un chalet d'alpage en fonction des régions? Et je veux aller en Auvergne. Chasserie, bravo, 2, très précis. Et après dans les Alpes? Moi j'ai dit chalet d'alpage. C'est bon en tout. Ah non, c'est pas une fruitière, c'est pas un chalet. Dans les Pyrénées. Ah voilà, bravo. Ça a été répondu. Bon, il y a une question tout à l'heure qu'on répale. Comment on appelle donc un chalet d'alpage dans le forêt? Bon, la personne qui a répondu tout à l'heure, si vous êtes attentif, vous l'avez entendu. Non, Buron, c'est de l'autre côté. Jasserie, bravo. Et pour être plus précis, en fait, la jasserie, c'est pas le chalet. Le chalet s'appelle le ja. La jasserie, c'est le regroupement de 4-5 chalets. Allez, citez-moi 4 AOP. Normand. 1, 2, 3. Le quatrième est par là. Allez. Il y a un par ici, c'était qui? Encore? Allez. Hop. Et voilà. Moi j'adore la géographie, donc une question un petit peu de terroir. Quel est le fromage de chèvre qu'on appelle parfois localement le Levroux? Ouais, on a une bonne réponse là-haut.
Citez-moi le nom de la moisissure qui pousse sur ce fromage. Alors, citez-moi le pénicillium qui a poussé dans ce fromage. Pas tous ensemble, s'il vous plaît, sur la droite. Attention. Bon, alors, d'accord. On va poser c'était un peu simple, en fait. On va poser la dernière question, puisque les candidats sont là, ils vont se mettre en place. Donc, dernière question. Qui pose la dernière question ? Allez, je la pose. Dans ces trois fromages, lequel n'est pas un fromage ? 1. Le camembert. 2. La cancoyotte. 3. Allez, c'est là. C'est bon. Produit laitier à base de lactosérum. Bon, il paraît que c'était la dernière question. Qu'est-ce qu'on fait de toutes ces belles parts ? Eh ben, je sais pas. Qu'est-ce que vous voulez en faire ? Ah, je sais pas. On va les donner aux bonnes œuvres. Alors, moi, je vais vous donner les réponses du quiz, puisque vous allez peut-être remporter un plateau complet. Qui veut gagner un plateau de fromage ? C'était le quiz auquel vous avez répondu. Le Welsh est un plat d'origine galloise. Préparé avec quel fromage ? Il fallait répondre le cheddar et le Cheshire. Comment on dit ? Cheshire ? Cheshire. Deuxième question. Comment s'appelle l'habitation d'altitude où l'on fabriquait des fromages dans le Cantal ? C'était le Buron. Troisième question, en moyenne, combien de litres de lait produit une chèvre par jour ? Il fallait répondre 3 à 4 litres. Quatrième question, son odeur et sa saveur résonnent comme le son du saxophone dans la symphonie des fromages. Pour quel fromage ? Il fallait répondre le maroilles. Cinquième question, le Livaro, surnommé Colonel, comprend combien de tours de lèche ? C'était 5. Sixième question, le Saint-Nectaire doit son nom à un certain Henri de Senneterre. Septième question, le village de Chaour se trouve dans l'Aube. Huitième question, le banon AOP doit être enveloppé dans des feuilles de châtaignier. Neuvième question, quel est le temps d'affinage minimum d'un Cantal dit vieux ? C'était 240 jours. Et enfin, et c'est là où il y a eu beaucoup, beaucoup d'erreurs, dans la liste suivante, identifier les fromages labellisés IGP. Il fallait répondre Saint-Marcellin, Tom de Savoie, Emmental de Savoie et Soumaintrain. Ce qui veut donc dire qu'il y a uniquement 7 bonnes réponses parmi l'ensemble des bulletins. Ce qui va donc donner lieu dans un instant à la remise d'un plateau de fromage. Je vais juste mélanger. Hein. Président, le président des fromagers. C'est vous, président, qui allez tirer au sort parmi les 7. Alors. On les a pliés, hein, donc on peut pas voir les noms. Alors. On a un peu de mal à lire, en fait. Bégucri. Monsieur ou madame Bégucri. Ou Béguri peut-être. Béguri. Ah oh, bah, on va vérifier. Attendez, on va vérifier avec votre numéro de téléphone portable en fait. C'est ça ? Et bon, c'est vous qui avez gagné un plateau entier ! Je voudrais déjà que vous applaudissiez nos 16 candidats. Déjà, les applaudir extrêmement fort. Personnellement, je n'ai toujours pas les résultats en main, mais j'imagine que quelqu'un les a. Rassurez-moi. Qui a les résultats ? Je vais appeler autour de moi. On va appeler. Ben, venez, président. Je vais appeler Bruno Cabu, Bruno, Alain Audouard, le président de la Chambre de métiers également,
J'ai toujours pas les résultats en fait, hein, donc on va meubler. C'est ce qu'ils appellent meubler dans notre jargon. Oui, c'est une très bonne idée, Alain Audor. On va tirer au sort, oui. J'ai appelé Christian Janier, on va parler des meilleurs ouvriers de France. Carole Perfit, tiens, viens aussi sur la... On va faire une photo, si vous le voulez bien, officielle. Carole qui représente en région les meilleurs ouvriers de France. Benoît, évidemment. Bernard Muravo. Les membres du jury qui vont essayer de se mettre tout autour sur la photo. Ça va pas être simple. Et nous allons appeler Philippe Olivier à venir nous rejoindre. On va aller le chercher dans le public. Philippe Olivier qui a beaucoup fait avancer la profession, on peut dire ça comme ça, qui est un grand nom dans le milieu des fromagers et qui a donné son nom à un des prix qui va être remis aujourd'hui. C'est un prix spécial. Philippe Olivier va être avec nous. Je demande de l'applaudir parce que c'est une des grandes figures du fromage en France. Oui. Tu as les résultats, Benoît, rassure-moi. Non, il ne les a toujours pas. Non. Catherine, où est-ce qu'on en est des résultats? Ça arrive. C'est toujours ce qu'on me dit en général tous les deux ans. On me dit ça arrive et en général, on sera dans 20 minutes encore. Ah, on a 3 ex-aequo. Je donne les coulisses en direct. Il y a 3 ex-aequo pour le trophée Philippe Olivier, donc on n'arrive pas à les départager. On va faire un tirage au sort parmi les 3 ex-aequo du prix Philippe Olivier. Philippe Olivier, il y a 4 mots tout à l'heure que vous nous avez donnés. Le premier, je crois que c'est authenticité. Oui, bien évidemment. Plus que jamais, ce sont les gens qui ne tricheront pas, les gens qui vendront les vrais fromages tels qu'ils doivent être, les gens qui vendront les fromages d'origine aussi. Quand je vois parfois que l'on fabrique des camemberts dans des régions n'importe où en France ou d'autres fromages, c'est l'air et le sol qui donnent la personnalité au fromage de notre pays et à leur histoire. Et à l'autre bout du monde, on nous envie nos fromages parce que nos fromages ont un terroir, ont un goût et ont une personnalité et aussi une histoire. Donc, premier point, authenticité. Deuxième point, la passion. Si vous voulez vendre du fromage demain, si vous n'êtes pas passionné, ce n'est pas la peine. Soyez passionné, archi-passionné. Le troisième point, partagez. N'oubliez pas de partager. Ne gardez pas vos expériences, vos doigtés pour vous-même. Faites-en profiter vos copains, vos collègues, etc. Et eux, ils sauront vous rendre le retour un jour ou l'autre. Voilà les 3 noms que vous devez toujours avoir en tête. Merci beaucoup. Bravo. Authenticité, plaisir, échange, partage. Christian Janier, est-ce qu'on pourrait dire un mot des meilleurs ouvriers de France, édition 2017? Alors on va parler de façon générique, encore une fois, inscription depuis la fin octobre et ça va se terminer au 31 mars. Donc je vous invite à ceux qui ont la volonté de participer à ce concours de tout de suite aller sur internet et de vous inscrire, comme ça vous serez d'ores et déjà dans le concours. Et puis bah, au niveau des fromagers, l'équipe est en train de se mettre en place, donc sous tutelle de la Fédération française des fromagers. On a la commission, on va bientôt se réunir et plancher sur les différentes épreuves. D'abord les épreuves qualificatives, puis ensuite les épreuves finales. Carole, tu veux dire un mot sur nos meilleurs ouvriers de France régionaux? Pareil, la famille des meilleurs ouvriers de France, c'est le Rhône, c'est la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est le territoire national. Ce sont les meilleurs ouvriers de France. Il y a beaucoup de cols bleu, blanc, rouge aujourd'hui. Passer le concours, c'est juste l'histoire d'une vie. Alors, puisqu'on parle... Merci, Carole. Voilà, qui en tombe à la renverse, dites donc.
Puisqu'on parle de meilleur ouvrier de France, je voudrais quand même qu'on parle initialement de formation, parce que c'est quand même lié. Grégory Godard, vous représentez les fromagers de France. Comme on a un peu de temps et qu'il y a beaucoup de jeunes qui nous écoutent et qui sont présents, j'aimerais qu'on dise un mot sur la formation précisément des fromagers. Merci beaucoup. Oui, les fromagers de France, puisqu'on a beaucoup de temps, donc on va en prendre. On a développé un parcours de formation qui est à votre disposition et qui permet de pouvoir vous amener un conseiller et un formateur directement dans l'entreprise, parce que vous le savez, jusqu'à présent, vous avez à vous déplacer dans nos centres de formation, qu'ils soient à Paris, à Lyon ou éventuellement à Toulouse. On a mis en place ce nouveau module de formation qui est pris en charge dans le cadre d'une contribution dite conventionnelle et qui nous permet bien de financer la formation dans l'entreprise. Elle est intégralement prise en charge. Vous avez 5 formateurs référents qui vont graviter sur l'ensemble du territoire, dont François Robin. Je le salue pour le quart sud-est. Et François, je te remercie de nous accompagner, puisque tu as mis en place 30 grilles d'analyse d'une crèmerie-fromagerie avec Sylvie Guillot, qui officie sur Île-de-France et qui est aussi à l'IFOPCA Paris, au même titre que Laetitia Gabory sur le quart sud-ouest, que M. Cellier sur le quart nord-ouest, et une personne qui va nous rejoindre bientôt sur le quart nord-est de la France. C'est donc une opportunité en ce qui vous concerne, puisque vous avez la possibilité de pouvoir financer aujourd'hui toute la digitalisation du point de vente, travailler sur la gestion des stocks, travailler sur l'agencement. Bref, l'ensemble des problématiques qui peuvent être les vôtres sont intégralement prises en charge, et ça, c'est véritablement une nouveauté. Alors, j'ai bien entendu ce que vous avez dit, intégralement pris en charge, ça ne coûte rien à l'entreprise. Merci de se relever ce point-là, parce qu'avant tout, vous avez raison, on est tous commerçants et pour certains d'entre nous, artisans. Cet aspect est véritablement important. C'est une contribution, effectivement, que vous payez, puisque ce dispositif de formation, en réalité, on l'a construit pour vous et par vous, grâce justement à une manne financière pour laquelle l'ensemble des métiers de la branche, nos 5 métiers, au premier desquels c'est les fromagers de France qui peuvent mobiliser cette enveloppe. Donc n'hésitez surtout pas à prendre contact avec le centre de formation des produits laitiers, notamment avec Virginie Ormière, qu'un bon nombre d'entre vous connaissent et qui sera très heureuse de pouvoir dépêcher sur place donc un fromager formateur à l'instar de François Robin. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Un mot de la chambre de métiers. Alain Audouard, vous représentez la chambre de métiers. Comment la chambre de métiers accompagne-t-elle tous les jours au quotidien les fromagers et les artisans en général? Les fromagers et les artisans, les fromagers nous ont rejoints l'année dernière, ce qui m'a fait un grand plaisir. Et ce qui me fait d'autant plus plaisir, c'est qu'on voit maintenant dans nos villes et nos villages de plus en plus de fromagers. C'est-à-dire que la profession se développe et ça, vraiment, je dirais, pour l'activité de proximité, c'est vraiment une très belle chose. Et puis, manger des bons produits, c'est quand même assez fantastique quand même. Et nos fromagers, pour ça, alors, on a un meilleur ouvrier de France de Grenoble. J'ai quand même un bon ami président de la Chambre de Grenoble qui fait et qui a mis en avant, mais qui met aussi en avant la chartreuse. Hein. Et je sais que nos amis fromagers aiment bien aussi. Non, vraiment, la Chambre est à votre disposition pour tout. Pour le développement, hein, la création, le développement de l'entreprise et après pour céder son entreprise. Les agents sont là à votre disposition pour faire progresser vos entreprises et les fromagers en ont bien besoin. Donc on leur souhaite, alors là je souhaite aux candidats bonne chance, vu qu'on attend toujours les résultats. Oui, ami, c'est ce que j'allais vous dire. Je sens qu'on va tirer au sort. C'est ce que j'allais vous dire, Alain. Je pense qu'on va se souhaiter d'avoir les résultats d'ici quelques secondes. On a tout, tout est là. On les a, Bernard. Voilà. Dans un premier temps, pour le prix Philippe Olivier, il faut savoir que les candidats ont été tellement brillants qu'il y a 3 candidats à 18 sur 20. Alors, c'est pour le QCM, hein, auxquels ils ont répondu. Donc, 3 candidats à 18 sur 20. Donc, pour le prix Philippe Olivier, donc c'était le QCM. Je suis un peu désolé, c'est un peu les tirs au but. On va tirer au sort. Mais on va vous demander de vous engager à faire passer le trophée de boutique en boutique. Comme ça, ça vous permettra en plus de vous parler et de reparler du concours, des bons moments que vous avez passés. Parce qu'un trophée... donc, pour le premier qui va l'amener à la maison... Je demande à Philippe Olivier une main innocente.
Donc pour ceux qui nous rejoignent, qui arrivent, il y avait un QCM qui a été rempli par les 16 candidats. Parmi ce QCM, 3 ex-aequo et on en tire un au sort. Romain Guibert. Et on l'applaudit. Et on l'applaudit. Mais je pense qu'on a quand même cité parce qu'il mérite les deux autres parce que 18 sur 20, c'est extraordinaire. Donc quelque part... Là, ça a été effectivement les tirs au but, mais on va leur demander de s'engager pour l'avenir. Et le second est... Charles-Antoine. Oui, Charles-Antoine. Charles-Antoine. Et le troisième, Nicolas Go. Félicitations parce que le QCM est une épreuve très très compliquée. Il y avait un gros coefficient sur le QCM. Donc voilà, on vous remercie, merci à vous. Ça vous permettra de faire passer dans les boutiques, c'est vraiment sympa. En plus, c'est une belle œuvre. Alors, avant de... au prix Rabelais, je voudrais qu'on remercie encore une fois les membres du jury qui ont accompagné tout au long de ce trophée, de ce concours national des fromagers, le concours. Merci aux membres du jury, je demande de les applaudir, ils sont autour de nous. Et je vais demander aux membres du jury d'avoir la gentillesse, s'il vous plaît, de se mettre un tout petit peu en arrière et de laisser passer les candidats devant eux. Les candidats devant, les candidats en avant, s'il vous plaît. On voudrait les 16 candidats autour de nous, s'il vous plaît. Voilà, parce que c'est eux qui ont, tout au long de la matinée, concouru. Avancez-vous, s'il vous plaît. Avancez-vous, mettez-vous devant. C'est vous les stars aujourd'hui. Et nous allons maintenant passer au concours Rabelais des jeunes talents 2017. Avec donc un concours qui est organisé par la CGAD en partenariat avec la Fédération française des fromages. La remise se fera à Paris avec les jeunes des autres professions alimentaires. Et nous allons donc, dans un instant, vous dévoiler qui va participer à ce concours Rabelais des jeunes talents 2017. C'est donc alors, nos 16 candidats, on va faire un petit peu monter la pression avant de remettre. Voilà, les 16 candidats. Ils sont nominés. Ils sont nominés au concours Rabelais des jeunes talents 2017. Benoît, je vais te laisser l'annoncer. Alors, j'aimerais aussi accueillir nos partenaires pour faire la remise des prix, et notamment la Banque Populaire Secama, qui nous a bien soutenus. Je ne sais plus... Voilà. Ok. Il n'y a pas de souci. Donc, merci d'être présent et merci de nous avoir aidés et de nous avoir soutenus. Alors, le prix du Rabelais, du jeune talent qui sera invité à Paris. Donc, ce sont des nominations. Hein. Oui, c'est des nominations, c'est réservé au moins de 26 ans.
Et on a trois lauréats à présenter lors de cette remise de prix et de mise en avant de la jeunesse de notre profession. Très bien. Et qui est très bien représenté, parce qu'il y a deux filles, un garçon. Allez, c'est parti. Le premier Rabelais est Adélie Nanche. Adélie Nanche. Voilà, mettez-vous face caméra. Voilà, bougez plus. La Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes vous remet des cadeaux. Alain Berlioz-Curlet qui représente la Socama également présent. Le deuxième prix Rabelais est Sarah. Ici s'il vous plaît, face caméra. Sarah Lacaze Héral. Et le troisième, c'est Léo Huguenin. Léo Huguenin qui représente Nancy. Vous êtes nominé pour le Rabelais des jeunes talents 2017. Les cadeaux qui vous sont remis par la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes. Moi, j'aimerais savoir pour vous trois comment s'est passé ce concours. Parfait. Menteuse. Très belle organisation et tout, vraiment très beau concours. Je crois qu'il a résumé, très beau concours et fier d'être arrivé jusque-là. On vous sent très ému. Bravo. Regardez s'il vous plaît pour l'équipe de communication du CIRA. Regardez en face de vous. Alors il y a un autre petit cadeau qui est remis. La fédération vous remet un petit jeu sur les 45 francs AOP. Voilà. Les choses sérieuses arrivent. Elles sont d'ailleurs là. Je vais demander à Madame Polez, peut-être. Je crois que c'est vous qui avez les résultats. Oui, non, attention là, parce que ça devient... Non, elle n'a pas vu. Non. Donc, je vous remercie d'avoir attendu ce moment. Je vous remercie d'avoir été aussi nombreux. Je vous remercie d'avoir été aussi actif et aussi sympa dans le public. Merci pour les candidats, parce que si vous n'étiez pas là, c'est compliqué quand il n'y a pas de public. Là, tout seul, ça serait pas marrant. Donc merci, merci à vous. Et... Alors ce que je propose avant, c'est que nos trois jeunes du Rabelais rejoignent peut-être les candidats, parce que vous faites partie des 16. Allez-y. Donc, nous avons l'honneur d'avoir Philippe Olivier. Donc, Philippe Olivier, c'est à toi que revient l'honneur de citer les noms. Donc, du troisième prix. Hein. On va démarrer par le troisième prix. Attention, ça c'est important. Le premier cité sera le troisième. Donc, le troisième prix est décerné à Adélie Nanche. Adélie Nanche, troisième prix. Alors Adélie,
Je vais vous laisser regagner la troisième marche du podium qui est juste à votre gauche. La pression monte, le deuxième prix est là. Il en reste 15. Nicolas Go. Nicolas Go qui représente Toulon. Et le premier prix. Alors juste avant le premier prix. Et le premier prix. Juste avant de remettre le premier prix. Je rappelle qu'il y avait 200 points. 200 points attribués sur des critères de connaissance, de culture de fromage, de créativité et évidemment de dextérité. Avant de découvrir le premier prix, je demande une dernière fois d'applaudir les 16 candidats, s'il vous plaît, vraiment. Beaucoup plus fort que ça, parce qu'ils ont bossé comme des dingues avant et pendant le concours. Donc merci à eux, applaudissez-les vraiment très fort. Alors avant de citer le premier prix, que la première marche du podium soit là, on va demander à tous les partenaires pour la remise de venir, s'il vous plaît. Je vous demande de les appeler tous. Tous les partenaires. Alors, tous les partenaires, je vais peut-être les citer. On va prendre le temps de les citer parce qu'il n'y a pas de raison. On va remercier bien sûr la SCAPA, la coopérative d'achat de produits laitiers, les fromagers de France évidemment et les fromagers d'Auvergne-Rhône-Alpes, Robure, Berger du Larzac, le Faro de Thônes, le Farteau de Thônes, pardon, le Bleu d'Auvergne, AOP Bleu d'Auvergne, Janier, AOP Fourme d'Ambert, AOP Bleu d'Écosse, Broc Service Frais à Tipeee, Portier 3D, Ossirp, bien sûr le groupe Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes et la Socama, Marel, MAPA, la MAPA et Alliance Pesage. C'est tout très compliqué pour les candidats, voyez. Là, le temps est de plus en plus long. Les secondes sont interminables. Est-ce que tous les partenaires sont là? Le ou la gagnante. Le ou la gagnante. Ou le gagnant. De ce concours national des fromagers 2017. C'est Romain Guibert. Romain Guibert. Qui représente Aix-les-Bains. Romain Guibert remporte le concours national des fromagers 2017. Doublement diplômé aujourd'hui. Vous êtes venu avec un camion pour tous les trophées, non? Un mot sur ce concours, qu'est-ce que vous avez ressenti? Je voudrais déjà saluer le travail qu'on a tous fait, parce que le mot qui ressort, c'est qu'on a tous donné fière allure à notre métier. Donc j'avais vraiment des collègues qui ont vraiment très bien travaillé, et c'est ça qui me rend encore plus fier d'être là aujourd'hui. Vous êtes fromager depuis combien de temps? 4 ans. Voilà. Après le CQP passé à Lyon, et après avoir ouvert ma boutique. Il est lauréat de ce concours national des fromagers. Romain Guibert, Aix-les-Bains, bravo. Alors on va faire plusieurs photos. Mais avant, je vais vous demander au public, s'il vous plaît, d'applaudir tous les candidats. Alors, on va faire une photo avec les partenaires. On va leur demander de se mettre autour. Avant les partenaires, on va faire les candidats. Les candidats avancés. Bien sûr, les candidats avancez d'abord. Là. Allez.
Allez, pour la photo de famille. J'espère qu'il y aura la même dans 2 ans. Cruising down A Street, off white Lexus, driving so slow, but BK is from Texas. Me, I'm up that Bed-Stuy, home of that boy Biggie. Now I live on. On va peut-être même réfléchir et élargir le concours à plus de candidats. Parce que là, c'est dommage qu'il y en ait tant et. Alors, je sais pas si vous avez lu le courrier du fromager. Parce que le but du jeu, c'est de faire un concours national et qu'on s'éclate et qu'on soit plusieurs derrière les box. Et je vous ai mis au défi, si vous avez lu le courrier du fromager, c'est de faire des présélections dans les régions et pour qu'on fasse un gros concours national au CIRA tous les 2 ans. Donc je vous mets au défi, vous, amis crémiers, fromagers, administrateurs, présidents de région, à créer voilà, des présélections en région et qu'on fasse la finale à Lyon. Merci. Merci aux candidats, on va faire la même photo. Merci beaucoup aux candidats. On va faire la même. Bougez pas hein, les lauréats. On va faire la même photo avec les partenaires uniquement cette fois-ci. Benoît Charron aussi, le président du jury. Bernard, je ne sais pas où il est. Bien sûr, Bruno Cabu, vice-président du CIRA. Carole, mets-toi sur la photo. Alain, mettez-vous sur la photo aussi. Est-ce que vous pourriez soulever votre trophée, s'il vous plaît, pour les photos? Est-ce que... Oui. Voilà. Est-ce que vous pouvez soulever votre trophée, voilà, pour les photos, qu'on vous voit bien dans l'autre sens? Dans l'autre sens. Voilà. Il y a un Samsung qui a été trouvé. Voilà, ainsi s'achève ce 20e anniversaire du concours national des fromagers 2017. Merci à toutes et à tous. Alors on a le tirage au sort des plateaux, effectivement. Il reste, pardon, encore 30 secondes, il reste le premier prix, un prix pardon, à donner au gagnant de ce concours qui est la mallette des couteaux. Voilà, alors. Romain, je viens te. Voilà, rendez-vous dans 1 heure avec les écaillés.
On te remet ce prix des couteaux. Couteaux pour plateau. Je tiens le micro. Magnifique. Il me dit il a plus de bras. Bah, tu vas te débrouiller quand même. Allez, bonne chance. Alors c'est un service de couteau qui a été qui est spécialement dédié au service du fromage en restaurant. Voilà, merci beaucoup. Simplement vous annoncer qu'à 13h, parce que là il faut vraiment qu'on conclue, sinon on va pas y arriver. On a le concours derrière des écaillés et de l'empereur. À 14h, merci à toutes et à tous. Et rendez-vous dans une heure pour les écaillés et l'empereur, à tout à l'heure. Dernière annonce que je voulais vous faire cet après-midi à 15h sur le stand de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Vous rencontrerez les professionnels et vous dégusterez des fromages. C'est à 15h dans le hall 2-1, dégustation des fromages d'Auvergne-Rhône-Alpes sur le stand de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Je vais demander à toutes les personnes qui se trouvent dans la zone d'avoir la gentillesse de bien vouloir sortir parce qu'on a un concours après et on est obligé d'aller très très vite pour débarrasser et remonter derrière. Merci beaucoup de votre compréhension. Merci. Merci à vous. Disappoint you.